Il faut qu'on récolte des données qui permettent de quantifier le flux de civales qui monte. Nous, jusqu'à présent, on avait l'habitude plutôt de le qualifier, c'est-à-dire de dire bon bah elles sont plus grosses à telle période, au printemps ou à l'automne, etc., mais pas du tout de le quantifier. Donc là, il faut qu'on mette en place de nouvelles techniques de capture qui permettent de quantifier la quantité de civelles qu'on attrape en fonction de l'effort qu'on fait. Donc tout le challenge est là, et puis aussi de travailler sur la Nivelle, qui est une rivière où, a priori, on travaille sur le saumon, sur la Nivelle depuis 50 ans, mais sur l'anguille, ça démarre juste maintenant. En fait, Sudoang, c'est un programme de Sudoé. Alors Sudoé, c'est toute la zone, tu vois, sud de l'Europe, c'est-à-dire une grande moitié ouest, sud-ouest de la France, l'Espagne, le Portugal. Et sur toute cette zone, il y a un programme qui s'est monté pour essayer de faire en sorte que l'anguille soit mieux considérée, mieux gérée et sa biologie mieux connue. L'espèce est une seule et même population qui se distribue sur toute la façade atlantique. Et pour gérer cette espèce, il ne faut pas la gérer bassin versant par bassin versant. Il faut avoir une gestion européenne, donc il y a un règlement européen. Mais n'empêche que chaque unité de gestion a quand même sa façon de faire. Et donc le but de Sudoang, c'est d'essayer de faire que tout le monde travaille à peu près de la même façon, en utilisant les mêmes protocoles pour pouvoir conseiller au mieux les gestionnaires et aussi pour avoir des données fiables. Dans le programme Sudoang, en fait, il y a 10 bassins versants qui sont suivis. C'est nous qui sommes les plus au nord, donc la Nivelle, toute la côte espagnole, le Portugal, et ça remonte jusqu'à la Méditerranée. Ce qu'il y a de neuf quand même, c'est que le questionnement, déjà, c'est quelque chose de neuf, parce que comme je te disais, on était sur du qualitatif, alors qu'avec Sudoang, on est aussi sur du qualitatif, mais quand même beaucoup sur du quantitatif, parce qu'il s'agit de faire des modèles pour essayer de savoir ce qui est recruté, c'est-à-dire ce qui rentre dans la rivière en termes de bébés anguilles, et puis après de mesurer ce qui va sortir. Mesurer ce qui rentre, ça, on l'a pas fait, nous, ici, en quantitatif. On s'est toujours intéressé plutôt au qualitatif, à la qualité de l'individu civelle. Est-ce qu'elle a plus ou moins de réserves, comment elle se comporte, etc. Sur la Nivelle, ça fait plus d'un an qu'on essaye de capturer des civelles, que les agents sortent la nuit. Bon, c'est marrant, mais au bout d'un moment, quand tu attrapes aucun poisson, c'est plus drôle du tout. on n'est pas arrivé à en attraper, ou une ou deux de temps en temps. Donc on s'est posé des questions sur le système qu'on utilisait, qui permet justement de quantifier le flux d'eau, parce qu'il y a un débitmètre à l'intérieur, donc on peut quantifier le flux qu'on filtre et quantifier le nombre de civelles qui arrivent. Donc ça, c'est bon pour quantifier ce qui rentre. Sauf qu'on n'attrapait rien. Donc au bout d'un an, on a fini par se poser des questions sur la capacité de notre piège à capturer ces civelles. Donc on a été sur un autre spot qu'on connaît bien, qui est Moliette, où là, on sait qu'on les attrape, on sait qu'il y en a, et on les attrape avec un tamis à la vague. Pour le programme Sudoang, on a besoin d'avoir une idée du nombre de civelles pêchées par volume d'eau. Donc on a un filet avec un courantomètre à l'intérieur qui nous permet de, vu qu'on connaît la section et la vitesse du courant, on va connaître le volume d'eau qui est rentré dans le filet. C'est ça la donnée qui nous intéresse, c'est une quantité par volume. Or, jusqu'à présent sur la Nivelle, on n'a pas trop de résultats, on n'a eu qu'un poisson. Donc il y a deux questions. Est-ce que notre système marche? Et c'est ça qu'on veut vérifier ce soir, puisque là, on sait qu'il y a du poisson, on va installer le filet. S'il y a des civelles dedans, tant mieux, notre système marche. S'il n'y en a pas, c'est qu'il faut qu'on trouve autre chose, c'est que notre système ne marche pas. On les a comparés avec notre autre système de capture, qui est sur la Nivelle. Et en fait, il s'est avéré que les deux étaient tout aussi efficaces l'un que l'autre. Donc on a fait aussi le pendant, c'est-à-dire qu'on a été avec un tamis à main sur la Nivelle, et toujours avec notre piège qui quantifie, là, on va l'appeler comme ça. Et par contre, on est arrivé à rien attraper du tout. La dernière sortie qu'ils ont faite, c'est hier au soir. Donc ils ont été voir, parce qu'on s'est dit peut-être sur la Nivelle, on n'est pas sur un bon spot, ou c'est trop grand, ou les berges sont trop abruptes. Enfin, tu sais, quand tu n'y arrives pas, tu te poses des questions. On est sûr qu'il y en a sur la Nivelle, puisqu'il y a des anguilles sur la Nivelle. Donc on est sûr qu'elles remontent, mais on n'arrive pas à les attraper. Si on a de la bestiole, on fait péter la bouteille de champagne. Ah oui. Dans un premier temps. D'accord, ok. Bon, toi, t'es comme ça.
Non, parce que l'année dernière, on a quand même fait 5 sorties, et en 5 sorties, on a chopé une. Une civelle, comme celle qu'on a vue à Boliès, mais on en a chopé une seule. D'où les tests qu'on fait maintenant, de comparer les engins de pêche que Jacques et Manu utilisent maintenant depuis presque une dizaine d'années sur Moliette et sur Urte, avec le filet, de façon à savoir si le problème vient du système qu'on a développé et qui ne serait pas adapté à la capture de ces bestioles, ou si c'est autre chose. Et potentiellement, l'autre chose, ce serait le fait que bah, les bestioles, elles ne passent pas là où on s'attendrait à ce qu'elles passent. Là, on a été voir sur une chine qui est un autre affluent de la baie de Saint-Jean-de-Luz, mais beaucoup plus petit et beaucoup plus facile, si tu veux, à pêcher. On ne peut pas dire qu'ils en ont attrapé zéro, mais en 2 heures de marée, ils en ont pris 4 avec 2 engins, donc on est quand même proche de zéro. Donc là, on se pose des questions. Est-ce que il n'y aurait pas un comportement spécifique du fait de la baie de Saint-Jean-de-Luz, qui fait quand même un espèce de bras de mer enfermé, même s'il y a quand même la marée, hein, on voit bien la mer y progresser, mais peut-être que ça modifie un peu le comportement de la civelle, on ne sait pas trop. Là, je suis en relation avec une collègue espagnole, justement, de Loria, qui fait partie de Sudoang, qui est dans le même projet, pour lui demander, elle, si elle prend beaucoup de civelles en ce moment, parce que si elle n'en prend pas beaucoup, ça pourrait expliquer qu'on n'arrive pas à en attraper. Mais si elle en a beaucoup, ça amène des questions super intéressantes sur le comportement de la civelle, sur sa réaction par rapport à la marée, quand elle est vraiment dans la mer et avec un estuaire qui arrive tout de suite, ou si elle est dans la mer, mais avec une baie ouverte où elle pourrait éventuellement s'installer et qui ferait que les remontées sont peut-être différées ou ne se passent pas de la même manière. Le programme, il a quand même pour ambition de mettre en place et d'offrir au public un outil sur une plateforme facile à utiliser, style Shiny, où tu peux avoir toutes les données qui concernent l'entrée des civelles en quantitatif sur toute la zone Sudoang. Donc ça fait quand même beaucoup, et à l'échelle de chaque bassin versant suivi. Il va y avoir une modélisation qui permettra, et qui sera un outil facilement utilisable par les gestionnaires, qui permettra de suivre le recrutement en civelle. Faire ça en 3 ans, ça veut dire que les données, elles sont déjà acquises, quoi, les séries de données, parce que pour pouvoir arriver à faire ça, il faut des séries de données sur 10 ans. Engagé, nous, INRAE, à faire un suivi long terme sur donc la Nivelle, qui est une rivière de l'Observatoire de recherche en environnement que manage l'INRA, donc 4 fleuves côtiers qui sont suivis, dont la Nivelle. Jusqu'à présent, la Nivelle, elle suivait que le saumon et la truite pour d'autres questions, mais on rajoute l'anguille, et sur l'anguille, donc il faut qu'on suive le recrutement. On avait prévu aussi, grâce à Sudoang, de suivre les anguilles, anguillettes qui migrent tout au long de l'année après la grosse phase de migration quand elles sont jeunes stades, si tu veux. Après, il y a une seconde phase de migration en fin de printemps où elles vont se mettre à nager, mais cette fois-ci à nager à contre-courant. Alors qu'on pense qu'avant, elles nagent surtout avec le courant, aussi à contre-courant, mais surtout avec le courant et avec la marée qui les aide à remonter. Après, elles ont un temps d'arrêt. Et après, quand les températures atteignent les 12-13 degrés, à la fin du printemps, elles remontent cette fois-ci à contre-courant et viennent coloniser tout le bassin versant. Donc là, il y en a certaines qui sont au stade civelle très, très pigmentée, d'autres au stade anguillette, mais en gros, jusqu'à 20-25 cm, elles restent très mobiles. Et donc, avec le piège qu'on voulait mettre à Ushondoa, sur la station de piégeage qu'on a, on pensait pouvoir capturer ces poissons. Bon, il y a eu tout un tas de difficultés administratives qui ont fait que ça n'a pas pu se faire dans le temps de Sudoang, malheureusement. Donc là, il va falloir qu'avec Sudoang, on s'arrange pour rendre l'argent, puisqu'on n'a pas pu construire cette passe piège. Après, elle reste dans les tuyaux et on espère bien qu'on arrivera quand même à la construire un jour. Donc ça, c'est pour suivre, si tu veux, la migration des petites anguillettes. Et il y a une troisième phase qu'on suit, c'est la phase anguille jaune, c'est-à-dire une fois que l'anguille est sédentarisée dans la rivière. Et ça, on le fait par pêche électrique à l'automne. Donc oui, sur la phase anguille jaune, donc les anguilles sédentarisées, on les capture, elles, à l'électricité. La difficulté, c'est qu'on n'est pas capable de les capturer dans des milieux qui sont très profonds. On se limite aux zones de radier et bien souvent, du coup, on rate beaucoup les gros spécimens. Bon, on le sait.
qui fait qu'on capture quand même assez peu d'anguilles argentées. Et on a besoin de cette donnée anguille argentée pour connaître la taille à l'argenture. L'argenture, c'est quand l'anguille se prépare à repartir en mer pour aller se reproduire. Donc, en fait, dans Sudohang, on aura deux modèles. Un modèle pour connaître le recrutement, c'est-à-dire combien d'anguilles rentrent, et un modèle pour connaître combien d'anguilles sortent. Et la quantité d'anguilles qui sort, le seul moyen qu'on a vraiment de pouvoir l'apprécier, c'est de suivre cette population d'anguilles jaunes qui est en place et d'avoir des taux d'argenture sur certains individus qui sont en phase de prématuration, si tu veux. Et donc là, il y a un certain nombre de différences. Par exemple, les neuromastes sur la ligne latérale, c'est des espèces de petits trous qui sont bien marqués. Elles deviennent noires sur le dos, blanches sur le ventre. Il y a leur pectoral qui s'allonge, leurs yeux qui grossissent, enfin tout un tas de modifications physiologiques qui font qu'elles se préparent à aller en mer. Donc quand on a suffisamment d'individus en phase d'argenture, on peut commencer à apprécier à peu près à quel âge elles vont s'argenter et combien à peu près ils vont en partir. Mais c'est vraiment, il faut une grosse quantité de données, parce que je te dis, des anguilles argentées, on n'en capture pas beaucoup parce qu'on n'est que capable d'être efficace en pêche électrique sur des zones qui sont peu profondes, et les grosses anguilles, c'est pas là qu'elles sont. Donc on capture, je sais pas moi, entre 200 et 250 anguilles sur la Nivelle depuis qu'on a commencé, depuis 3 ans. On en a ramené quelques-unes qu'on a sacrifiées parce qu'il faut qu'on sache absolument sur ce bassin versant qu'on va suivre sur le long terme, à quel âge ils ont quelle taille pour pouvoir modéliser la croissance, connaître la croissance. Donc c'est ce qu'on appelle la relation taille à l'âge. Et il faut qu'on sache aussi quand est-ce qu'ils vont s'argenter. Et ça, c'est la relation âge à l'argenture. Et pour ça, on est obligé de les tuer, puisqu'il faut prendre des petites pierres qui sont dans leur tête, là, qu'on appelle les otolithes, et sur laquelle, comme sur les cernes d'un arbre, on retrouve, si tu veux, des cernes de croissance, et on peut savoir quel âge a le poisson. Donc on a sacrifié 90 anguilles, dont 20 anguilles argentées, on ne les a pas encore toutes parce qu'on n'en capture pas beaucoup chaque année, une ou deux simplement. Et avec ces éléments, ça nous permettra de caractériser la population d'anguilles sur la Nivelle. Quelle belle pêche! C'est merveilleux! J'en reviens pas qu'elle n'ait même pas eu. C'est fou! Elle n'a même pas de crevettes. Quelle misère! On n'aura même pas de crevettes.